Hey YouTube, je sais, ce début de vidéo ne me ressemble pas. Pourtant, c'est à ça que ressemblait ma vie il y a quelques mois. Aujourd'hui, je t'écris cette lettre pour accompagner des images que tu n'aurais jamais dû voir. J'ai commencé à filmer tout ça dans un but personnel. Je voulais ne jamais oublier cette douleur parce que je savais qu'un jour, elle deviendrait une force. Tu l'auras compris, il y a quelques mois, j'ai eu le cœur brisé. Et comme tout le monde, on peut dire que j'ai douillé. Perdre quelqu'un qu'on aime, ça fait mal. C'est perdre un repère, perdre des habitudes, perdre une de nos raisons de vivre. C'est comme si, tout d'un coup, la vie passait en noir et blanc. Ouais, un peu comme ça. Tu en veux à la terre entière, et dans mon cas, surtout à moi. Pourquoi nous? Pourquoi comme ça? Pourquoi maintenant? Je veux le récupérer, je vais le récupérer. Il me manque. Je ne trouverai jamais ça ailleurs. À quoi il pense? Est-ce qu'il pense à moi? T'as vu YouTube? Toutes mes questions ne tournaient qu'autour de lui. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai sombré. Je me suis totalement oubliée parce que la moindre chose me rappelait son imposante absence. Malheureusement, on doit passer par là. Alors si tu te sens concernée par ce que je suis en train de dire, dis-toi que c'est normal. Ressentir ses émotions, ne pas savoir les contrôler, être triste, puis tout à coup énervée, manger seulement pour pas tomber, ou engloutir tout ce qu'il y a dans le frigo, dormir beaucoup, puis plus du tout, s'effondrer devant ses parents, puis leur hurler dessus 5 minutes après. Tu savais que l'amour passait par les mêmes circuits cérébraux que ceux pour l'addiction? On peut pas décrocher en 5 minutes. Alors autant pleurer tout ce qu'il y a à pleurer, même pendant des jours, même si t'as l'impression que tu vas t'envoler tellement ton nez et tes yeux sont gonflés. Tu veux une bonne nouvelle? Le temps guérit tout. Pendant ma rupture, il y a eu plusieurs étapes. J'ai d'abord accepté que j'allais pleurer. Ça, ça fait mal, car j'enlevais toujours ma sauce pour lui donner. Je vais pas pleurer à cause d'une sauce quand même. Beaucoup pleurer. Ce qui était le plus compliqué à ce moment de ma vie, c'était de te le cacher à toi. D'essayer d'avoir l'air présentable sur mes réseaux, sur mes vidéos, et de te partager du positif quand la seule chose que je voulais, c'était disparaître. Bref, j'ai regardé 1500 fois nos photos et nos vidéos, je lui ai écrit des tonnes de lettres, une par jour pendant un mois ou deux, jamais envoyé évidemment, mais ça me faisait du bien. Oh, et je vous ai dit que j'avais beaucoup pleuré. Ça fait 3 semaines que j'ai aspergé son parfum sur ce pull, et il est temps que ça s'arrête. Bye. Une fois la décision prise de manière définitive, aucun retour en arrière possible, j'ai dû passer l'épreuve d'aller récupérer mes affaires dans un endroit où on avait tant vécu, seul. Et c'est là que j'ai pu m'appuyer à 100% sur l'une des choses les plus précieuses au monde, l'amitié. Finalement, j'étais pas si seule que ça. Ah putain! Bon. Hello! Visage des affaires, c'est fini, les gars. Car malheureusement, il faut y passer. Quand on finit de pleurer parce que la phase d'idéalisation est terminée. Ah, je vous ai pas dit? Non, parce que les premières semaines, on se dit que tout allait bien dans la relation, que tout était parfait, que tout était beau. Heureusement, un jour, on redevient lucide, hein, promis. Bref, passer quelques jours entre amis, ça m'a permis de ne pas rester enfermée dans le noir sous la couette, à me nourrir exclusivement d'eau. Comme un malheur n'arrive jamais seul, il a fallu que le coronavirus fasse son apparition. Déjà qu'une rupture c'est compliqué, alors si en plus on peut pas sortir, je te raconte pas la galère. Enfin si, du coup, c'est ce que je suis en train de faire, mais bon bref, t'as compris. Le virus continue de se propager et est en train de s'accélérer. Nous le savions, nous le redoutions. Non mais ouais, mais du coup, ce qui risque de se passer,
c'est que la maladie touchera d'abord les... Nous sommes le vendredi 20 mars et je suis toujours en plein processus. Sauf qu'en plus de vivre une rupture, nous vivons le confinement. Du coup, anxiété et crise d'angoisse, be like. Mouvement à quelques reprises. Et placez maintenant votre attention vers la droite. Non, non, ça m'angoisse. En concentrant. Je suis donc rentrée chez mes parents, car les papiers pour ma nouvelle maison n'étaient pas finalisés. Les boules, ou peut-être pas tant que ça. Parce que ça m'a permis de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis très longtemps, passer du temps en famille. Alors je vais pas vous survendre ces moments. Dans ma famille, on s'exprime exclusivement en râlant, en hurlant et en disant beaucoup de gros mots, en français ou en arabe. Mais quand j'ai débarqué avec toutes mes affaires, des larmes plein les yeux, maman et papa Auria ont su me réconforter à leur manière, en continuant jour après jour à me servir des assiettes à table même si je descendais pas et que je les touchais pas. Quand j'ai fini d'extérioriser ma peine, ma tristesse, ma colère et ma haine, il n'y a qu'une seule chose que je voulais retenir de cette histoire d'amour et de cette rupture, la reconnaissance. J'étais reconnaissante d'avoir vécu tous ces beaux moments, reconnaissante d'avoir partagé tout ça avec cette personne, et reconnaissante d'avoir un nouveau départ, entourée et épaulée. Il y a encore une bonne nouvelle. Pendant cette rupture, j'ai rencontré quelqu'un. Et je pense que vous connaissez cette personne puisqu'elle est en face de vous. Bête de meuf, non? En fait, elle était là depuis un moment, mais j'avoue, je lui prêtais pas trop attention. Et je me suis redécouverte. J'ai appris à m'apprendre, littéralement. À m'écouter, à ne pas refouler. Et plus le temps passait, plus ça allait. Je t'ai dit, avec le temps, tout finit par passer. Petit à petit, je me nourrissais à nouveau. Petit à petit, je redansais quand j'entendais une super chanson. Ouais, même si c'était dans cet état-là. Petit à petit, j'ai reprêté attention à ce qui m'entourait et à ceux qui m'entouraient. J'ai chéri mon corps et mon esprit, même si comme ça, on dirait pas, je vous assure que le sport, ça m'a sauvée. Vous savez ce qui m'a sauvée aussi? Vous. Essayez au maximum de partager du positif avec vous, m'obliger à voir le positif. Et étant donné que j'étais en pleine rupture, plus en confinement, je peux vous dire que j'en avais rien à foutre de me taper la honte sur les réseaux. Et évidemment, ça vous faisait encore plus kiffer. Quotidien m'ont épaulé et m'ont permis de rester debout même quand mes jambes ne savaient plus me supporter. Certains disent que ce n'est qu'internet. C'est tellement plus que ça et vous êtes tellement plus que ça. Guérir, c'est accepter que parfois une chanson, un parfum te remettent dans tous tes états. Ça ne veut pas dire que la guérison ne fonctionne pas ou que tu repars de zéro. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça veut juste dire que t'es humain, qu'il faut du temps et que malheureusement il y a des jours plus compliqués que d'autres. Et puis à force de réapprendre à me connaître, tout en comptant sur les miens pour me redonner le sourire quand j'y arrivais plus, en étant focus sur mon travail et toutes les choses qui me rendaient heureuse, un matin, c'est passé. Ha ha!
compris, il y a quelques mois, j'ai eu le cœur brisé. Et aujourd'hui, je remercie le ciel de m'avoir fait traverser cette épreuve. Parce qu'à partir de ce petit cœur brisé, j'ai pu reconstruire un cœur plus solide, plus reconnaissant et plus pur. Les ruptures sont des choses qui arrivent. Avoir mal, c'est normal. Mais je te l'ai dit et je te le promets à nouveau, le temps guérit tout. Je ne sais pas si un jour j'aurai le courage de réouvrir mon nouveau cœur à quelqu'un. Parce que oui, j'admire ceux qui tombent amoureux, puis tombent tout court, mais se relèvent à chaque fois pour tomber amoureux à nouveau. Oui, on peut parler de courage. Pour être honnête, j'ai l'impression que je l'ai fait un peu sans m'en rendre compte, et la vérité c'est que je suis terrifiée. Je sais pas comment cette vidéo va être prise, j'ai de plus en plus peur. Hein. Nous sommes le 10 juillet et je suis vraiment in the mood for love quoi. Et ma mèche là, par contre, celle-là, elle veut pas rupturiser, hein. Hein, elle veut pas m'abandonner, celle-là. Hein. Cette mèche n'est pas un homme, ça c'est sûr. Écoute, tu arrêtes. Pas tous dans le même panier, on a dit. En fait, cette vidéo, c'est pour ça que je la trouvais hyper importante. Si on m'avait dit que je serais comme ça, pendant les premiers plans de la vidéo, j'y aurais juste jamais cru. Là, quand je vous parle le 10 juillet 2020, je suis certaine à 99% que je ne saurais pas me réouvrir ou retomber amoureuse follement, quoi. C'est pas que j'y crois plus, pas du tout, parce que vraiment, là, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça maintenant, mais j'y crois, hein. Je suis pas sûre que j'ai envie, c'est bon, flemme. Mais je suis quand même in the mood for love, genre. Ça, c'est un indicateur de, genre, ça va mieux. Des films d'amour, des musiques d'amour, et genre, ça te fait pas pleurer. Tu penses au côté positif de l'amour. C'est ça, moi, qui m'a fait un déclic quand j'écoutais des chansons de love, et que je pleurais pas, et que je me disais, oh, c'est mignon, oh, c'est beau et tout. Et je trouve que c'est un très grand pas, voilà, d'être dans ce mood là et de se dire ah c'est beau. Il n'empêche que j'ai pas envie d'être en couple, hein. Alors par contre ah ouais, je vous vois venir, hein. C'est mort. La chialeuse est de retour. Maintenant, ce qui est dur à gérer, c'est l'après. Et ça me travaille de ouf de me dire que peut-être, je sais pas, que peut-être je vais pas y arriver parce que un peu trop abîmée, la petite. J'ai pas confiance, j'ai peur, je suis bloquée, j'arrive pas, je. Mais du coup, j'ai tapé sur Google. C'est quoi les étapes après, quoi? Il se passe quoi quand on sort d'une relation qui nous a fait du mal? Du coup, je suis tombée sur des articles qui m'ont fait pleurer, quoi. Parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est la merde, quoi. Voici ce qui arrive quand vous rencontrez quelqu'un de bien. Après une relation, vous commencez par vous attendre au pire. C'est mon mood. J'attends en fait que ça se passe mal. Vous repoussez votre partenaire. Je repousse tout le monde. Comme ça, c'est réglé. Vous vous demandez si cette personne ne serait pas mieux sans vous. Ouch. Voilà, je suis en train de lire des articles pour comprendre pourquoi. C'est difficile. Je rigole, mais c'est nerveux, les gars. C'est. Putain, je suis tellement bête. Non, t'es pas bête. Bref. 3 août. J'ai peur. C'est pas bête, ça, tu stresses. Mais non, mais c'est que genre, tu le vois une fois, tu te dis bon, ça se passe grave bien et tout. Mais c'est le truc d'une seule rencontre. Ouais. Donc forcément que ça se passe bien. Ouais. Quand tu continues à revoir la... Imagine, ça se passe bien encore. C'est parfait. Non, c'est pas parfait, ça, pas du tout. Bah, j'ai limite peur, tu sais, de faire tout gâcher. De tout exprès. Non, je suis capable. Là... Non, mais le problème, c'est que là, tu es face à quelqu'un qui a compris comment t'es. Oh là 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 là, j'ai peur. Mais de toute façon, meuf, la peur n'est pas. Heureusement que j'ai passé par chez moi. Heureusement, on apprend de ses erreurs. Mon bonheur, cette fois-ci, restera entre mes propres mains. Parce que comme je te l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est les plus solides que je connaisse. Mais aujourd'hui, je suis guérie et j'ai envie de faire confiance à nouveau. J'ai envie de prendre ce risque. Quitte à tomber à nouveau, c'est pas grave, je me relèverai. It's what if I mess this up. So just take it slow. I'm scared to let go. And my heart is struggling not to get hurt again. Just take it slow. So you left me with a broken heart. That I passed on to someone. Broke, I knew one apart.
heart. Things can be good enough, still not enough. And that's why I'm terrified having you by my side. It's not like my brain's not rising every time you get too close. It's not like I can't imagine losing myself in your arms. En attendant, maintenant que la douleur est passée et qu'il me reste seulement les bons moments en tête, je suis juste apaisée. Et si aujourd'hui tu es dans l'état dans lequel j'étais il y a 9 mois, je te souhaite alors d'être dans mon état actuel bientôt. So just take it slow, 'cause I'm scared to let go. Voilà YouTube, ça c'était les 9 derniers mois de ma vie. Et même si je ne t'ai pas dit toutes ces choses quand je les vivais en temps réel, je sais que tu sentais que j'étais au fond du trou et je sais que tu as remarqué que j'en étais sortie. Tu m'as demandé comment j'avais fait, alors voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao.